Première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Psaume, PS 22, 23, 1 à 2 AB, 2 C 3, 4, 5, 6. Le Seigneur est mon berger. Rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car, la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres célestes, toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et, quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis, et ainsi, Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venu jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri ? Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire ? Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli ? Tu étais nu, et nous t'avons habillé ? Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? » Et le roi leur répondra. Amen. Je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche. Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim,
et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront, eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Solennité de Christ sauveur de l'univers. C'est avec cette solennité que nous pouvons conclure l'année liturgique que nous avons initiée depuis le premier dimanche de l'Avent, de l'année passée. En cette solennité, le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous invite à pouvoir reconnaître que dès la création du monde, nous sommes des fils du royaume, nous sommes créés par notre Dieu en vue de son royaume. Et en tant que fils du royaume, que veut le Seigneur Jésus-Christ? Il nous rappelle que dans son royaume, il sera admis seulement ceux qui auront concrétisé leur charité, ceux qui auront posé des actes concrets de charité dans ce monde vis-à-vis des plus petits. Qui sont ces plus petits? Sont ceux-là qui sont nus, sont ceux-là qui ont faim, sont ceux-là qui ont soif, sont ceux-là qui sont prisonniers, ceux-là qui sont malades, ceux-là qui sont en dehors de leur pays, mais qui veulent être accueillis comme des frères, comme des sœurs. Et dans cette solennité, le Seigneur Jésus-Christ, qui vient vers nous, non pas comme un roi puissant, non pas comme un roi victorieux, non pas comme un roi qui s'impose de par sa manière d'être au milieu de nous, mais dans la simplicité, car lui-même il s'identifie à ce petit qui est malade, qui est souffrant, qui est prisonnier, dont je parlais auparavant, pour nous dire que tout ce que vous avez fait à ce petit, vous l'avez fait à moi. C'est cela qui fait que chacun de nous ait accès à son royaume de lumière, à son royaume de paix et de joie. Et pour sa royauté, les insignes de son royaume sont là, présents. Il a choisi comme couronne ces épines que vous voyez là. Il a choisi comme trône cette croix que vous voyez là. Il a choisi comme bâton de commandement ces clous que vous voyez là entre ses mains et qui sont aussi à ses pieds. Alors, le Seigneur Jésus nous dit qu'en ces jours, il voudrait que chacun de nous se sente appelé vraiment à vivre comme fils du royaume. Que chacun de nous se sente appelé à régner avec lui. Mais tu ne vas pas régner en état égoïste. Tu dois régner en étant charitable, en aimant ton frère, en aimant même ce frère qui est inconnu, mais qui est l'image du Christ, car ce jour-là, Jésus pourra te rappeler que ce que tu as fait à ce plus petit, tu l'as fait à moi. Je voudrais vous souhaiter une très belle fête de Christ au roi de l'univers, et qu'en cette solennité, le Seigneur Jésus-Christ vienne régner dans vos familles, vienne régner dans vos activités, vienne régner dans vos maisons, viennent régner dans vos études, viennent régner dans vos projets. C'est cela mon souhait, et que mon Dieu vous bénisse et vous garde. Le saint du jour aujourd'hui, c'est Saint Léonard de Portmaurice, frère mineur à Rome. Prêtre franciscain à la parole brûlante, parcourut l'Italie, pour mettre en garde et convertir d'immenses foules, en les invitant, à la pénitence et à la piété, en vivant, d'abord lui-même en personne, une union intime avec Dieu. C'est ainsi que le définit Saint Jean-Paul II, en 1980, lors de sa visite à la paroisse d'Acilia, dédiée aux prédicateurs de Ligurie, dans les faubourgs de Rome. Saint Léonard de Portmaurice, au civil Paul Jérôme Casanova,
né à Port Maurice, l'actuel Imperia, le 20 décembre 1676. Il étudie à Rome au Collège romain, avant d'entrer à l'Institut Saint-Bonaventure, au Palatin, où il prend l'habit religieux franciscain. En se consacrant à la prédication, frère Léonard a constamment à l'esprit le supplice de la croix du Christ. La dévotion au nom de Jésus et à la Vierge Marie est toujours présente dans ses prières ainsi que le thème du chemin de croix, dévotion typiquement franciscaine à laquelle il donna une large diffusion. Des foules immenses accourent à ses prédications qui les impressionnent et les émeuvent beaucoup. « C'est le plus grand missionnaire de notre temps », déclara à propos de lui saint Alphonse Marie de Liguori. Les déplacements pour les missions populaires le mènent dans toute l'Italie, en particulier en Toscane. Envoyé aussi en Corse pour rétablir la concorde entre les citoyens, il réussit à obtenir, entre les adversaires, une accolade inattendue de paix, malgré les graves divisions entre les habitants. Épuisé par les fatigues des tournées missionnaires, il rentre d'abord en Ligurie, puis à Rome. Prédicateur infatigable au cours de l'année sainte 1750, décrété par le pape Benoît XIV, il érigera au Colisée 14 stations pour la pieuse pratique du chemin de croix et une grande croix dans l'aire de l'amphithéâtre. Ce fut son dernier effort. Il meurt le 26 novembre 1751 à Saint-Bonaventure au Palatin. Déjà vénéré comme saint par les Romains et d'autres fidèles, Léonard est béatifié le 19 mars 1796 et canonisé le 29 juin 1867, par Pie IX, particulièrement dévot à Saint-Léonard. Et en 1923, le pape Pie XI le proclame patron des missionnaires dans les pays catholiques, puis au milieu du XXe siècle Léonard de Port Maurice devient aussi patron de la ville de Imperia. Okay.
Salut, salut, ici Jules Mwamba. Je commencerai par dire merci à tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui nous aident à évoluer, tous ceux qui nous donnent des suggestions, des recommandations et même qui nous font des critiques. Nous vous remercions des critiques positives parce qu'il y a des critiques. Vous sentez que quelqu'un veut que vous vous taisiez. Oui, merci à tous ceux qui ont ces ondes positives et qui veulent que nous puissions aller de l'avant. Merci beaucoup en tout cas. Et je vais dire merci aujourd'hui spécialement à Chantal Moulanga qui m'a permis de retrouver deux couplets. Et à côté d'elle, je voudrais dire merci à Mamie Mianda et à Micheline Kabasele de m'avoir aidé à retrouver aussi un couplet. Merci à Monsieur l'abbé Tarsis Kabea aussi qui m'a aidé dans ce sens-là. Merci pour le soutien aussi. Et à tous ceux qui nous ont écrit aussi. Et aussi à tous ceux qui nous ont écrit et qui nous ont proposé. Vous pouvez toujours continuer à proposer, à faire des propositions. Vous m'écrivez sur WhatsApp, vous m'écrivez sur Messenger, vous m'écrivez sur tous les réseaux sociaux. Généralement, je réponds quand je sens que c'est bon, c'est bon. Alors, qu'est-ce que je voulais dire encore? Je voulais dire merci à Papa Victor. Hein, vous avez vu une nouvelle figure dans la chorale. Papa Victor, merci beaucoup pour le sacrifice. Merci aussi à Micheline Mondoué, merci pour le sacrifice aussi. Donc voilà, nous reprenons et voilà, à la semaine prochaine avec un nouveau chant. Ciao, ciao. Dieu vous bénisse.